Salut à tous, et bienvenue sur Magic Arena FR, comment ça va? Écoute, ça va très très bien et toi? Ça va très très bien, aujourd'hui on se retrouve pour un Harry Builder en historique. Je ne sais pas comment ça va s'appeler, ouais. Historic Builder peut-être. Historic Builder? Ah mais du coup il n'y a plus Harry. Harry historique. Harry historique? Ouais. Ah mais faut builder aussi quand même. Harry historic Builder. Harry historic Builder? Ouais. Vous savez quoi? Vous allez choisir dans les commentaires. Donc dites-le coup, nous, pour mais celui-là, nous on va titre, choisir. On choisit et on verra après. Mais pour les prochains, on prendra peut-être votre idée. Second rite, deuxième rite selon Idetsugu, qu'est-ce que c'est? C'est une carte qui a été ajoutée avec le premier historique anthologie numéro 1. Deuxième rite selon Idetsugu pour 4 malins en éphémère. Si le joueur ciblé a exactement 10 points de vie, le second rite selon Idetsugu inflige 10 blessures à ce joueur. Donc on le tue, paf, il meurt. On le one shot, on le OTK, le but étant de Harry builder autour de cette carte là. Exactement. On a plein d'idées, on se tire une balle dans le pied parce que gagner avec ce deck là, ça va être un enfer. Oui. Voilà, c'est pas grave, on très essaye. Difficile. Et en fait, ce qu'on veut pas vous proposer, c'est un mono raid qui veut essayer de tuer avec second rite. Déjà, c'est de la merde. Nous, on veut vraiment essayer d'OTK le mec avec Torgar. Voilà. Voilà. Comme ça, Torgar, il est à 10, on fait second rite et il est mort. Maintenant, du coup, ce qu'il faut faire, on n'a pas débrief avant, on savait juste qu'on voulait deuxième rite et Torgar. On va builder ça avec vous, vous connaissez le concept des Harry Builder, évidemment. Le but maintenant étant de pouvoir caster Torgar facilement. C'est-à-dire donc du coup de jouer des petites créatures ou alors des accélérateurs ou alors de mettre plusieurs petites créatures, de mettre plusieurs tokens. Alors il y a un gobelin rouge qui est 1-1 pour 2 et qui pointe dans un deuxième 1-1. Et ça c'est bien. Alors donc, je vais passer en review un petit peu les cartes. Moi je pense qu'il faut jouer June avec du vert pour pouvoir mettre migration de sa probionte et compagnie. Ah il faut du vert tu crois? Ah là. Si tu veux mettre assez de board pour faire Torgar deuxième rite. Il y a pas assez de trucs qui mettent des tokens. Attends, je vais mettre jeton. En Rakdos, jeton, ça va être dur. Hein. Libérateur des cryptes, qu'est-ce qu'il fait? Ouais, c'est pas pour nous, ça. Ouais, c'est pas dégueu. C'est un tour 1, tour 2, tu mets un jeton. Ouais, c'est lent. Ouais, c'est pas pour ça, nous. Ça, quand ça meurt, ça fait un jeton. Pas pour nous non plus. Ça fait deux jetons pour deux. Non, faut que ça fasse un jeton quand ça arrive. Ouais, je pense. Hein. Ah. Il faut vraiment multiplier, quoi. Ouais, mais c'est pas fou, parce que ça n'en fait qu'un seul, et ça n'en fera toujours qu'un seul. Ça va être dur hein. Parce que le but évidemment c'est de gagner une game avec ce deck. Lui il y a mieux, il y a l'Azotep River. Ah oui, mais quand vous arrivez en jeu, amasser 1, il y a pas écrit jeton en fait. Ah, et ben, il est mieux du coup. Ouais, alors il est même très très bien dans ce qu'on veut faire, je pense. Ah, ça c'est bien. Pour 4, ça crée 2 jetons. Torgar, faut sacrifier combien de cartes pour qu'il soit rentable? 3. 3 pour le payer à 2. Du coup, on veut tuer en faisant Torgar deuxième rite, donc faut qu'on ait 6 mana. Hein. Ouais. Donc du coup, il faut jouer du vert, je pense quand même. Il faut pouvoir s'accélérer aussi. Ouais, après, il faut tout piocher, donc si tu t'accélères mais que t'as pas les cartes en main. Ouais. Moi, je mettrais bien des trucs qui génèrent des tokens, des trucs qui tu sacrifies et tu pioches. Tu vois, en noir pour bien avancer. Et la combo. Qu'est-ce que t'en penses de ça? Troll du ponceau, ça les donne à l'adversaire. Ouais. Oh, on aurait pu jouer 6 en sans troll du ponceau, quoi. Alors on change d'Harry Builder hein, maintenant. Oh ouais, c'est mieux. Ça, c'est la merde. On va non, t'aimes pas va... ça? Si, mais c'est vraiment mauvais, quoi. Si on espère gagner ça fait 4 game, tokens. Hein. Ouais, ça fait 4 tokens, ouais. Après, on a besoin de 3. Donc, mais donc, hein, au pire, c'est à 4-1. Hein. Ouais, j'en mets. J'en mis. Oh, ça fait tokens, ça. C'est pas les bons tokens. Ah, il est là. Ah, Gobelin Rusé, c'est trop bien. Hein. Ça fait ramper, hein. Ça rampe de 1. Ah mais c'est 2 mana rouges. Ah bah, et je t'ai dit, je sais pas si on a besoin de ramper. Hein. Mana base solide ou pas? Ah bah si tu veux tuer tour 6... Parce que tour 6, c'est si t'as 3 créatures, donc tu veux ramper et avoir des 3 créatures. Ouais ouais. Je mets 3 gobelins ici. 4 gobelins ici. Ah vas-y, mais c'est bien. Ah, l'instigateur gobelin top. Topito. Toto, Topito. Oh bah patron de guerre, c'est quand même pas mal du tout, dans l'idée. Ouais. Chandra aussi. Ouais. Ok. Ça génère du token, quoi. Ça met des tokens. Plus tu le castes, plus t'en as. Et ouais. Ça, t'en mets 2 quand il arrive. Donc t'as 3 créatures pour 4. Ah bah c'est trop bien. Ça se curve bien. Ça veut dire que ça, si tu t'accélères, tu fais. Regarde. Comment il s'appelle? Tu fais. Gobelin rusé dans Brûleur Gambadan, dans Torgar Rite des Tsutsugo, t'as gagné. Enfin, Gobelin rusé. Tour 3, tu fais rien. Enfin, tu fais un truc. Ouais. Tour 4, Brûleur Gambadan. Ouais. Et tour 5. Et tour 5, t'as gagné. Ok. C'est bien, non? Il faut des cartes, mais non, c'est possible. C'est trop bien. C'est bon, on a un plan de jeu. Non, mais parce qu'il fallait juste avoir un plan. C'est bon. Ah. Parfait. Bonne carte, ça fait plein de tokens. C'est parfait. Allez, on met.
Bon, après, on va commencer. Ah, du coup, on a peut-être pas besoin du verre, hein, t'as raison, on a peut-être pas besoin du verre. Je pense que c'est pas mal. Ça, si tu veux ramper, ça fait piocher et ramper. Ça fait piocher et ramper, ça? Ouais. Ça se débarrasse des multiples. Oh, je mets ça, c'est bon. Vas-y, vas-y, mets. Ce qu'on est en train de faire, c'est pas propre, hein, vraiment. Ouais, je suis loin, là. Il y a pas de, du coup, y a pas tu m'as dit l'Azotep. Ouais, l'Azotep River. Je sais plus comment c'est en français. Français. Ah. Zotep, Marc. Ou l'Az. Ah, ouais. Voilà. Écumeur de l'Azotep. Ça écrit comme ça, d'accord. On a déjà trop de cartes. Bah, déjà, rituel de Benzenlock, là, j'y crois plus, tu vois. Allez, on n'y croit plus. Mais comment il s'appelle le prospecteur Scarpion? Ah, je veux piocher, moi. Ah, mais c'est qu'avec les gobelins que ça marche. Hein. Ouais, mais il sacrifie lui, tu sacrifies tes patrons de guerre, tes instigateurs gobelins, tes commandants de ces gens. Tu peux pas. Enfin, si tu sacrifies, du coup, tu peux plus casser d'orgas. Ah, mais on va en avoir des milliards de tokens. Prospecteur, je suis moins sûr. Bah, en fait, prospecteur, il trigger sur toutes tes créatures. Sont oui, non, gobelins. Mais c'est son utilité. C'est pas qu'il trigger pas, c'est que. Bah, ça te permet de kill rapidement, quoi. Ouais, mais il faut vraiment beaucoup de créatures, hein. Bah, en fait, non, si tu veux juste accélérer d'un tour, tu sacrifies juste le prospecteur. Si t'as toujours 3 créatures, c'est bon. Ouais, ok. Genre, c'est juste un moyen de tuer tour 4-5 plutôt que d'attendre tour 6. Moi, je veux alors, piocher des cartes. Je veux piocher des cartes. C'est pas facile. Ça, c'est pas dégueu. Pioche, c'est un truc qui se met pour 1. Bon, on fera peut-être mieux que ça, peut-être. Sacrifier 2 bêtes pour piocher 3. Ouais, ça, c'est dur parce que ça nous enlève trop de board. Bon, ça, c'est pas bien. C'est pas mal ça, en l'instant. C'est quoi? Tu sacrifies un artefact ou une créature, tu pioches 2. Ouais, c'est pas mal. Est-ce qu'il n'y a pas juste des piocheurs qui sont moins conditionnels? Parce qu'on joue déjà pillage de pirates. Il y a ça. Ouais. C'est une créa qui va piocher quand elle arrive. On a trop de tour 2. Ça se recycle. Ah bah ça sinon. Trop bien. C'est probablement mieux que tout ce qu'on a mis, ouais. Ok, bah si du coup on enlève les saccages coûteux, parce qu'en fait ça nous fait chier de sacrifier une carte. Ok. Gros, il est trop bien ce deck là. Vas-y, touche le rien. Deck, hein. Lance. Ah, mettre des landes quand même. Non. Non? Non, non. Ah, presque. Bah, c'est pas mal, mais c'est genre c'est un autre kill, tu vois. Ouais. Nous, on veut tuer à faire semblant. À Torgar, deuxième rite, quoi. Alors, hop là. Tu sais, j'aime bien Rix m'a dit Reveler, mais je sais pas à la place de quoi. Peut-être que Chandra c'est mauvais, acolyte de la flamme, avec tous les accélérateurs. Fait deux bêtes par tour, mais ouais. C'est sûrement pas bien. Je vais cut. Sûrement mieux de jouer des fêtards à la place. Permet de trouver nos cartes. Ouais, ok. Un petit plan de jeu beat down, tu vois. Est-ce qu'il y a des trucs qu'on veut là, non? Est-ce qu'on veut de la gestion ou on n'a pas le temps? Ah non, on s'en fout. Ah, on s'en cague. On s'en fout là, on part en BO1, on s'en cague. On est là pour s'amuser là. On est là pour faire un truc que les gens ne connaissent pas ou ne que voient. Que les gens de 20 ans ne peuvent pas connaître. Voilà, que les gens ne voient pas. Mais ah, c'est merde. Bien. Fais voir la liste visuelle. On va voir ce dont on a besoin là. 72 cartes. Attends, il y a combien? 8 et 8, 16. Ouais, il y a 24 landes. Je pense qu'il faut regarder 24. Alors, on peut enlever deux pillages. Ouais, facile. Ça me va. On peut enlever un commandant. Je suis d'accord. Un Torgar peut-être. Ah non, c'est la combo. Ouais. C'est la combo. Faut enlever 9 cartes là. Tout ce qui fait des tokens, faut le laisser. Je peux enlever une arène Phyrexian. Ouais. Peut-être enlever 2 fêtards. Je peux enlever 2 fêtards, ouais. Et ce qui fait pas de tokens, c'est ça et ça là. Ouais, j'avoue. C'est dommage. C'est dommage parce que ça nous accélère, mais. Je peux garder le tour 1, que t'es 2 gobelins rusés. Ouais, je suis d'accord. Peut-être que pillage de pirate, on s'emballe et c'est juste pas fou, mais ça rentre 2 fait, c'est ça? Ouais, tu crées 2 trésors et tu tues le tour d'après. Et tu pioches 2 cartes quand même. Peut-être ouais. Que ça, c'est pas très bon. C'est bien, mais t'en veux peut-être pas 4. C'est même plutôt mauvais, hein, à pas c'est se quoi tient. On va cutter 1 et 1. Ah non. Commandant. Je préfère quand même commandant, ça fait 4 de board. Ok, bon, je remets un commandant. Surtout qu'on rentre bien, donc si peu commandant, on va le mettre tour 2 ou 3, tu vois. Genre, souviens-toi tour le deck. Tour 2 commandant pas tour 2, j'ai n'importe quoi, tour 3 ou 4, pardon. Souviens-toi le deck Magali Villeneuve où on jouait Gobelin Rusé, on faisait des Chandra de Kaladesh tour 3, c'est trop bien. Ça marchait trop bien. Tu te souviens pas de ce deck-là? Si, si, ouais, mais là, on est quand même sur une optique un peu plus rampante, tu vois, genre. Pff.
Un peu plus fatigasse. Je mets un château. Tu peux, Coûte rien. tu peux, ça coûte rien. Bah, même le château bleu avec tous les tokens, il coûte rien. Le château rouge, pardon. Je suis fatigué, quoi. Qu'est-ce que tu dis? Le château rouge, il coûte rien non plus, hein, il est gratuit. Hop là. C'est une montagne. Enlève brûleur, c'est de la merde. Hein. Tout. Enlève 3 brûleurs. Hein. Quand même, ça fait 3 bêtes. Hein. Tu peux faire brûleur Torgar. Hein. J'en ai 20 encore. Ouais, mais si tu fais brûleur Torgar, tu tues pas le mec. Nous, on veut le tuer. On veut le OTK. Ouais, mais il faut faire Torgar, tu vois. Ah, mais si tu fais pas de Torgar dans Idetsugu, tu le tues plus jamais. Ah, t'as une 7-6. Il faut le tuer comme ça, là. Ah, mais du coup, on accepte de gagner des games sans faire Déjà, Idetsugu? si on fait des Torgar, c'est bien. Ah ouais? Franchement, c'est dur. Hein. Ah bah non, moi je relève le défi à fond. Mais Hein. il faut. Ouais, on va voir. On va réussir, c'est sûr. D'ailleurs, on joue du noir que pour Torgar, Insyrexian et écumeur de l'Azotep, quoi. C'est pas bon, hein. Non? Bah enlève Fetardrix Maladie, du coup. Ouais, allez, il m'a saoulé, lui. On est bon? Franchement, j'aime bien. Ça n'a Franchement, aucun sens, mais. le bon deck. Le bon deck. On va mettre Liliana. Il est certain. Non, on met souvent Liliana, on va mettre autre chose. Il est certain qu'il va se Lui, on passer met un coup. jamais. Non, mais il est moche, gros. Non, mais en gros, j'ai la foudre de fou, là. Mais la foudre, on va foudrer l'adversaire. Ah ouais, c'est bien ça. Putain, t'en as plein, toi, t'es riche. Je suis T'es riche. riche. Pas de side, rien à foutre. Je sens que Je ce te propose deck. qu'on fasse une game chacun. Ok. Je sens que C'est comme ce ça? deck, Ouais. c'est une grosse chiasse, mais qu'il va se passer un truc incroyable dedans. Hop là, le bon deck, c'est parti. Let's go. C'est parti. Prends, on va rosser, je sens. Ça aide vite, Prends le hein. premier, on va le rosser. Oh, le build là. Trop bien. Comme ça, là. Mais quand les decks sont évidents comme ça, c'est facile. C'est loin d'être évident. C'est loin d'être évident. En fait, il faudrait jouer des EDH. Mais avec quand même des fois 4. Des decks de 100 cartes, Ah, en des decks fait. sans carte, ok. Et ton général, c'est Torgar, parce qu'il est légendaire. Comme ça, tu le casses tout le temps. Ouais. C'est un général partner, c'est Tordia Idetsugo. Comme ça, t'as Ce gagné. serait trop bien. Oh, quelle sortie! Mais quelle sortie! On va faire patron tour 2 Et on n'a là! rien de la combo. Comment ça? Mais on s'en fout! Non, mais parce qu'on a bien dit, on s'en fout de la combo, le but c'est de gagner, non? Mais qui se Il contredit faut direct? tuer Aidetsugu au moins. Là, c'est patron tour 2, il va juste Bilvez, le mec. Hein. Ah ouais? Ouais. Je sacrifie mon truc là. Ouais. Non? Tu penses pas? Gros, tu fais quoi contre patron tour 2? Ouais, c'est vrai. Tu déstes, Bah il tu. va mettre choc quoi et... Ah! Effectivement. J'ai oublié que l'adversaire pouvait jouer des cartes aussi. J'y vais quand même. Ouais, vas-y, vas-y. Rien à foutre. Et là, le mec, il se dit, ouais, il joue gobelin, incroyable. Eh ben, Ouah! pas du tout. Parce que le monorad d'historique, il rigole pas. Hein. Ouais, avec notre arène Phyrexiane, en plus, on est Bah on va lui bien donner un coup de malheureux, main. quoi. Là il va. Pas de bloc. Hein. Ah il fait rien d'autre, Donc, ok. c'est pas le meilleur archétype à affronter, je te l'accorde. Ah, une Phyrexian. Ouais. Il faut avancer dans la Ah ben combo. on y va, hein. Parce que peut-être que si nous on est à 10, ça marche aussi, non? Bah on peut se tuer. Ben ça me va. Ça compte, hein? Torgar, ça nous heal, hein. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ben là on a déjà Torgar, là on le sauce, hein. En vrai, s'il fait pas gaffe, tour prochain, il peut mourir sur Rin Idetsugu, hein. Après, il le joue aussi, peut-être, ça se trouve. Ce serait fou. Oh là, ce qu'il joue, lui! Lolo, L'ambitieux! Bah, lolo. du coup, il a pas de choc, tiens, je préfère que tu le saches. Ouais, je le sachais déjà. On est à un point de se prendre Idetsugu. Oh merde. Je crois qu'il faut piocher et essayer d'avoir le kill, non? Ouais, je crois là. Vas-y. Plutôt de Gambadant, là, hein, puisque tour d'après, on voudra faire commandant. Oui. En vrai, je peux utiliser mes deux trésors pour faire un écureuil d'Azotep aussi. Selon ce qu'on pioche, ouais. Je peux pas le faire du coup. On va bourrer là, je crois. Avec tout? Si on bourre avec tout, on est mort ou pas? Bah déjà il va me bloquer ça. Ah bah du coup, pas avec tout. Non j'attaque avec juste ça en vrai. Et je garde pour bloquer. Ah ouais, mais on bloque mal, hein. On bloque dans des bêtes initiatives. Ouais mais on prend pas de points de dégâts. C'est ça le plan de jeu? T'es Ouais sûr? je crois hein. Je suis pas sûr, moi. On peut pas gagner cette course le tour d'après, commandant de Zaségeant et compagnie? Genre on prend trop de points si on attaque avec tout sauf patron? Une vraie question. Bah si je bloque pas avec patron du coup on va prendre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc déjà on est à 4. Moindre Murkleave ou quoi, on est poubelle. Après, si l'on meurt cleave, on est poubelle. Non mais vas-y, t'as raison, ok. Je Ou alors je pose ça.
Si tu poses ça, c'est pas mal en vrai. Hein. Vas-y, j'attaque avec les Vas-y, 3. bourre-le là, il faut faire la course là. Et je pose ça. Ouais. Bourre-moi ce malotru. Red panda peluche. Oh, il prend le trade, il nous mettra jamais les points du coup. Quelle C'est erreur. bon ça. Et je mets du bleu comme ça, il croit qu'on joue Grixis, sauf qu'on n'a pas trouvé la couleur. Tu penses que tu l'as. Là, il est mindé. Tu l'as brainfuck. Il fait oh! Oh là Tudum! là! Parce que les gens qui sont Fais mindés, ils ça. tirent la langue, hein, forcément. Quand t'es mindé, t'es comme ça. Oh là là! Mets dans ta tête. Il joue bolos chevalier, quoi. J'ai envie de le bolos, du coup. Voilà, une armée de bloqueurs. Bon, on va juste bloquer avec la 1 dans un 2-1. Et... Double bloc, une 2-1 d'ailleurs. Voilà. C'est worse, hein? Non? Ouais, je bloque pas elle parce que c'est celle qui l'a Celle qui a protégée. ciblé? Ok. Oh, il est bon, quoi. Et regarde hein, ce qui se passe. Elle machine. Eh ben, c'est bon. Mais j'ai pas compris. Pourquoi? Bah il a si buffé l'autre, il nous tue les deux et il a gardé ses deux créatures. Il voulait mettre des points, lui. On est pas loin. Ouais, alors c'est pas Torgar. Peut-être on peut se Torgar nous ici, tu vois. Ouais. Et essayer de gagner cette game et on relancera pour essayer de faire la combo, quoi. On se Torgar nous? Attends, attends, est-ce que c'est worse? Est-ce que c'est pas meilleur commandant de Zaséjean? Moi Non, je. non, il faut mettre une grosse bête là. T'es sûr? Ouais, sûr. Je pense pas, mais. Ah, je suis sûr, voilà. Ouais. Je suis surveille même. T'es surveille? Ok. Regarde. Paf, on se met à 10. Et là, le mec se dit, putain, ces mecs sont incroyables, Ouais, quoi. là il dit, mais je suis perdu. Ah, Eh mais oui, c'est c'est normal que normal. tu sois du père. La petite phase d'attaque, on met deux trucs attaquants. Oh, tu bourras avec tout, là, non? Bah non. Ouais. Il va prendre un trade et moi je vais lui mettre juste un de plus. Ouais, mais t'auras mentor, t'auras mentor. Ouais. Ouais, non, t'as Ah, raison. j'ai une 7-6, franchement, aucun Ouais, risque c'est à vrai, prendre. on est bien, là. Mes générateurs de tokens, faut qu'ils restent là où ils sont. Parce que tour d'après, je peux lui remettre un patron de guerre et je fais C'est que là, bili. on boit un deck méta, et je te dirais même plus, on peut top decker Rid des Tetsuko. Et on pioche deux par tour. Ce serait tellement Attention, les incroyable. ballons! Ah là là, d'ailleurs il paye mal, il nous fait plus croire à Umbercleave. Bien joué Red Panda Plush. Je crois Bien vu. qu'il, avec une 7-6, il a plus trop de. Ah! Ah ben il est mort. Ah non, il bloque Torgar. Non mais regarde, on va piocher Rid des Tetsugo. Ah merde, putain! Alors avec Patron de Guerre, on le tue pas là? On le tue pas? Alors, il bloque ça, il prend 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10. 10. Ah ouais, il est mort. Allez, vas-y, bouffe. Après, je peux aussi juste attendre et essayer de top deck. Non, non, viens, déjà on en gagne une pour la vidéo. Ok. Tu vois, la sécure, tu vois. Et après, on Oh, essaie de je faire la pourrais combo. mettre Prospecteur et je fais plein de mana et je m'en sers pas. T'es sûr qu'on a l'étal là? Oui. Là, je Sûr. peux faire des trucs rigolos. Ok. Bah, en plus, avec ça, on a l'étal plus. On a largement On a l'étal. l'étal pas. On a les étale pas. Bon, moi, c'est mal au truc. Quelle magie. Mais quelle magie! Normalement, il a moins 1. Voilà, nickel. J'adore. Pile. Mais vraiment, c'est Knorr, c'est de la This petite soupe, quoi. is le meilleur deck. This is a new meta. Voilà, Rakdos. Félicitations to the creator of this wonderful deck. C'est vrai que les joueurs d'historique savaient pas trop quel était le meilleur deck depuis le ban d'Oko. Tu vois, les gens sont du père. Il fallait faire un tuto. Père Castor, comment faire pour gagner dans la méta? Mais je vais te montrer. Torgar Token. Exactement. Torgar Token, Rid des Detsugo. Peux-tu faire mieux? Voilà. Bah, faire mieux, c'est tuer Aid Detsugo. Parce que là, c'est dur de faire mieux que ce qu'on a fait quand même. Franchement, on a fait Torgar qui nous soigne. Et de toute façon, on s'en fout parce qu'on a gagné. Oui, voilà. Mais on l'a fait quand même. C'est pas mal. On a rempli 50%, j'allais dire du budget, pas du tout, 50%. Un phénoméno. de but en fait. C'est un phénomène. But. Ah non, un phénoméno, c'est-à-dire que le mec n'est pas phénomène. Oh putain, je vais garder la combo en main. Qu'on peut pas jouer. Ah si, avec Gobelin, tu peux la jouer. Gros, t'es pas prêt pour ce que je vais lui faire à un phénoméno. Attention, il va te faire des trucs, lui aussi. Est-ce que tu sens que je suis en train de le tuer tour 5 là? Si tu fais deux Rid des Tsugu, l'un en réponse à l'autre, est-ce que ça met 20? Ça met 10, le mec a 0, tu lui mets 10 avant qu'il meure. Ouais. Eh ben non, parce que l'autre il fizzle, je Et pense. ouais, Ah, c'est c'est pas ballot quand même. possible. Ah, c'est Mais au dommage. cas où il en contre un, tu peux mettre les deux comme ça. Tu dis vas-y. On aurait dû jouer. Comment il s'appelle? Tournoyeur Chain Goblin, on est con.
Oui, là oui. Alors là, tu peux refaire un gobelin rusé. Et être sûr de tuer le tour d'après, je Et crois. si tu top deck, tu tues le tour d'après, je crois. Faut que je top deck quoi? Un land. Et non, parce qu'il faut, on n'aura pas trois créatures, on en aura que deux. Ah non, on n'aura pas trop créé, merde. Oh, même patron de guerre alors. Sauce lui. Oh, le patron. Patron. Ah non, c'était fou sinon. Tu faisais tour 4, Torgar, deuxième rite, c'était le meilleur deck. Pas attaque avec le gobelin aussi. Là là. Oh, j'ai hâte là, tu vois. Je le sens là, ça monte là. En plus, lui, il a pas d'interaction. Ouais. On va vraiment le punir. Ouais. Et Coco, Oko c'est banni, hein. T'es pas dans les bonnes couleurs, mon pote. Il peut jouer des petits contres, hein. Et tu sais ce que ça fait les petits Les contres. petits contres, ça fait pas les bons amis. Ça fait les petits amis. Ah, si je joue des contres, je pète un plomb. Je pète un plan, quoi. Ah, je pète un plomb. Ça serait une J'aurai le vermine, démon. un scélérat, un saltimbanque. Qu'est-ce que tu m'as dit sur ce petit dragonnet? Un genre foutre. Qu'il est dégueulasse. Ah non, tu m'as dit que tu l'aimais bien finalement. Ah oui, c'est vrai, mais je l'ai avoué, c'est bon. Le mec se cache quoi. Un genre foutre. Attends, mets gobelin et tu tues ton après. Ouais. Vas-y, gobelin rusé, go. N'attaque pas parce que si tu fais un Torgar qui n'est pas très value, c'est pas intéressant, tu vois. Ah, c'est vrai. Enfin, attaque juste avec elle quoi. J'ai encore 3 sacrifiés? Ouais, il va jamais me trade. Non, mais de toute façon, même t'as un 3 sacrifié donc. Ouais. Eh bah écoutez. Ah du coup Torgar là, pour 2 on sacrifie 3 créatures, on met 4. Encore une Alors que victoire à de côté, canard. pour 4, on sacrifie rien, on met 10. C'est pas grave, le contrat est rempli. À budget. Ouais. C'est fou quand même, j'aurais pas du tout parié 1 centime sur nous. Hein. Mais ni 2 centimes, ni 3. Hein. Non, bah tu sais, Big Red Tef, la foule n'aurait pas parié sur nous. Ouais. Enfin, Mono Red Tef qui est devenu Big Red Tef. Parce que c'est vrai que nous, tu sais, on aime bien prendre le délire et aller plus loin, tu sais. Ouais. Les mecs, savent Mais pas Big Red s'arrêter. Tef, ça peut être un vrai deck. Les Alors relous, que Mono quoi. Red Ouais, Tef, ce n'était c'était. pas un vrai deck. C'est vrai. Big Red Tef, c'est un peu Big Red Krasis, tu vois. Même bail. Ouais. Genre. Oh, mais qu'est-ce que tu Oh, il a fais? perdu. Mais qu'est-ce que tu Il a fais? perdu, quoi. L'erreur du joueur français. Mais quand Dingue. il va le voir. Quand il va le voir. Il va être content. Alors, je suis pas un bad manneur. Je voulais lui faire un bien joué, mais je déteste ça. Un petit bien joué Non. Torgar. Trois créatures. Trois créatures. Non, sélectionne plutôt deux gobelins rusés, je les déteste. Je les Faut que hais. t'en enlèves un. Oh là là. Voilà, Allez, merci. viens Torgar arrive en jeu. Il est à 10. Hop, hop, hop! Pas ça, c'est pas bon. Second rite. Paiement auto. là. Oh, c'est fou! Et il prend Allez! 10. Formidable! Oh, plus Il est belle magie, c'est génial pour ce toi. deck, putain. Oh, il est fou. Ah, oh, mais viens, on continue. Ah bah oui. Ah, c'est beaucoup trop court là, Ah 23 bah minutes là. refaisons une. Ah, Mais vas-y, c'est maintenant c'est que parti. des games de trop. C'est bon. Maintenant, on peut tout On a perdre. fait Il n'y une a belle pas de game. problème. On a fait la combo. C'est bon. Tranquille. Yes! N'empêche, c'est dégueulasse. Hein. T'as juste fait Des merdes. de la merde et t'as gagné. Parce que patron de Ah. guerre, ça fait genre qu'il y a de l'adversité, tu vois. Putain, j'étais le Mais babouin au zoo qui jette la merde à travers le grillage. C'est dégueulasse. tiens, bouffe. Vas-y, garde, c'est bien aussi. Que des bonnes mains. Ouais, Tour j'avoue. 1, tour 2, tour 10 et tour 5. Il n'y a pas de tour 10 dans ce deck. Hein. Bah, deuxième rite. Ah non, c'est pas Le tour 10, mec mais est die, tu c'est vois. pas un tour 4, quoi. Non, c'est pas un T4. Et ça a failli, hein. Je top deckais tout à l'heure et c'était un T4. Hein. Ouais. Oh putain, c'est beau. Non, c'était pas un top deck, c'est qu'il te fallait une bête et un mana. Ah ouais, donc je Il pouvais aurait pas. fait, en fait, il aurait fallu que tour 1, tu fasses prospecteur. Il aurait fallu que je top deck une Dryade Charmille qui n'est pas le mal d'invocation. Donc, une carte qui n'existe pas. Ah, il met son, ce petit prospecteur, là. Allez, viens, il va prospecter. Ce prospectus. Ça, c'est les couleurs de je ne te laisserai pas faire ce que tu veux faire. Ouais. Bien dommage. Eh ben écoute, on a un petit instigateur. Ouais, ça monte, hein. À tour Tu d'après, peux j'ai même commandant. tout sacrifier et rien mettre, si tu veux. Oh, petit rototo, pardonnez-moi. Là, le mec se dit, ouais, je joue gobelin en face. Pas du tout. En Oh. vrai, je sacrifie, je Bah crois. ouais, je crois que c'est bien. Attends. Tour d'après, j'ai 3, 4 manas. Ouais, sacrifie. Ouais. Non, non, faut que je clique sur le gobelin. Là, il est content. Ah, on paye pas. Comme ça, t'es juste sacrifié un gobelin. Non, je voulais juste sacrifier. Ah, il m'emmerde, il est moche. Le mec se saborde. Yaijin. Est japonais, lui. Ou étranger? C'est vrai.
Engagé, écumeur, et comme ça Engagé, prend bien écumeur. brasse. Hein. Oui, mais on aime bien Oui. donner des chances à l'adversaire. C'est vrai que ce deck-là, il prend bien brasse en général, quoi. Ah oh, ben non, il contre. Oh le con. Il est pas au courant, lui, de ce qu'on veut faire. Allez, prends ça. Après, là, on fait pas. Pas grand-chose. Bah, il y a un moment, il sera à 10. Ouais. Et ça va Parce que nous, partir. l'adversaire a que 10 points de vie, c'est ça qu'il faut se dire. Patron de guerre, c'est bien dans ce match-up, hein. C'est très bien. Il faut les avoir. Mais là, Brudant Gambadon aussi, ça lui met la pression. Hein. Oh, parfait, Brudant Gambadon. Gambada. Il joue Settle the Breakage. Ça nous fait de notre deck, là, on va chercher 5 landes. Début du En bonheur. vrai, il doit pas le jouer, là, si il se prend ça. Hein. Je pense. Non, ouais, je Sauf pense s'il a pas. aucun anti-bet, hein, c'est sûr. Oh, ça Mais là, passe. en plus, le mec voit ça, il dit, mais c'est quoi qui joue les deux Mais c'est cons là? pas gobelin. C'est de la merde qu'ils Mais c'est des font gobelins là. de feu, un peu, regarde. J'avais jamais vu que c'était des espèces de petits dinosaures là. Ah, c'est vrai. Pourquoi c'est des élémentaux alors? Parce qu'ils sont en feu. D'accord. Genre, ils ont mangé KFC la veille? Ils ont mangé des Tower Zinger. Ils ont mal au cucu? C'est Oh là fatigasse là, c'est quoi. nul à chier ça. Ah, on le met pas à 10 ce tour d'après, dommage. Oh, il le sait. Il le sait, hein. Putain, il aurait pu se ping. Et coup de phase d'attaque. Attends, je vais d'abord voir ce qui se passe, hein. Maintenant, on fait une phase d'attaque comme ça, il te contrera pas à pillage. Parce que là, tu perds deux cartes quand il te la contre. Oui, c'est vrai. Et là, la question, voilà, ça va être quand tu vas lancer ton second hit au tour prochain, est-ce que tu attaques avec une bête ou deux? Parce que s'il a anti-bête, voilà, on perd deux Ben en cartes. fait, ça dépend. Est-ce qu'il tourne autour de second rite ou pas? Non, dans tout cas, faut attaquer qu'avec une bête. Parce que s'il tourne autour de second rite, il laisse passer les deux. Ouais. On a gagné là, c'est bon. Ça serait fou. Il faut la pâter comme ça là. Viens, viens. Allez, Pour viens. l'instant, ça fait rien, ça. Allez, viens. Et il joue encore un truc là. Allez, il a une gestion. Attaque. Non, ça sert à rien. On fait perdre un pev. Attaque avec deux bêtes, mais une dentef. Ah, t'es un malin, toi. Mais non, deux dentef et une sur lui, comme ça il croit Vraiment qu'on veut tuer Tef. qu'on veut tuer Tef, voilà. Le malin. Comme ça on tourne. Ouais, c'est bien ça. Oh, c'est Oh, parfait. c'est trop bien ça. Il peut pas se douter de ce qu'on cherche à faire. Y a Dolin Zeto ou pas? C'est éphémère, gros. Oh putain, je voulais qu'il se foule tap pour faire un truc. Ça Ah, aurait il été va le faire dingue. là. Il va le faire genre. Ah, Teferi à 5. Oh putain. Oh, tu le prends, C'est toi. le meilleur moment de ma vie. Oh putain. Oh, c'est fou. Ah, je suis flou. Il est dingue ce jeu. Mais c'est le meilleur Allez, deck. gros, vas-y, on part en classé. On bat les couilles. On va se heurter à la réalité Non, 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 de ce qu'est t'inquiète. le format On historique. part en classé. Ah non, mais classé les camps traditionnels. Ah non, je pompe pas un side là. Ah non, pas de side là. Non. Eh ben écoute, c'est pas grave. Je fais la dernière. Allez, vas-y, Ce let's go, sera nous sommes la là. vraie game de trop. Oh, c'est fou! Et on pourra clore cette vidéo. Il est dingue ce deck, putain! Comme ça. En même temps, pour 4, on met 10. À un moment, faut ouvrir les yeux, les mecs. Les gars, vous dessinez Eh, des je dois cartes comme mettre 20. ça là. Non, Non, mais 10. parce que Oko c'était là, mais il dead to go, les gars! Parce que pour 2 mana, je gagne 3 pev. Ouais. Alors, ce que je fais, moi, pour 4. On joue contre Aspirine, il va t'en falloir. Première fois qu'on les Ah, gagne. c'est dommage. C'est bien, C'est ça. très bien ça. Ça curve. Va lui en falloir de l'aspirine à votre adversaire. J'enlève quoi là? Eh non, tu fais patron tour 2. En fait, si j'enlève ça, faut bien que je Non, pioche quoi. je suis d'accord, j'enlèverai aussi instigateur, moi. Allez, dégage-toi. C'est fou qu'avec de la pisse, on arrive à faire ça. Parce qu'on a les mains en or. Oh. Ah bah lui, il nous avance Ah. juste dans le plan de jeu. Ah, mais y a pas au cours. Oh, parfait, ça, je le repioche On et tout. va patron, hein. Tu sais que je peux faire instigateur, sacrifie tout, patron. C'est pas très bien. Non, mais je veux le Et faire. c'est le mec. Ouais, j'ai des cartes à jouer. Bah écoute, on est bien là. Oh, j'ai adoré le tuer en réponse à Vras. Ouais, C'était et le vraiment. mec dit vas-y, je clean. Ah ouais? Ah Eh ouais. ben, t'es mort, T'as gros. pas clean T'es grand-chose, mon pote. mort. C'est nous, on t'a clean. Parce que le mec a perdu 4 pev déjà là. Et il va poser ça, il va rien faire. C'est vrai, ça avance, hein.
Oh, il a pas de lande à poser. Ah si, ça va. Oh, il a repère 2. Attention, les mecs, hein. C'est que nous, on top deck Idetsugo, hein. Oh lolololo. Oh lolololo, ça va commencer à bourrer fort. C'est une petite commune d'Alsace, bourrer fort. Oui. C'est un D3 aussi. Ça fait D3 de bourrer fort. Parce que là, il est à 10. Ah bah top deck. Ah bah non, faut top decker à la fois un land et à la fois Idetsugo. Eh, je peux le faire ça. Je peux tricher. Et du coup, on fait quoi? On l'attaque plus ou on essaye de gagner cette game? Bah si je top deck ni land ni Rit, j'avais commencé. On va l'attaquer. On part sur un 4-0 bien trop facile. On a retourné le format historique sur un Rit Builder fin 10 minutes. Je trouve ça incroyable. Ceux qui galèrent, bah arrêtez. Voilà, arrêtez de galérer. Arrêtez de galérer, en fait. Voilà. Faites ça juste. Vous appelez un pote. Lol. Appeler un pote, il faut qu'il ait une idée fou. Folle. Il faut vouloir jouer autour d'une carte naze. Ah, lui il a des idées folles aussi. Ça, hein. C'est pas mal ça. Lui il a des idées folles. En fin de tour. Il a rien fait. Bon, comment on fait déjà là. Comment on fait, tu veux que je te montre? Ah, je m'en rappellerai. Mais il a perdu là. Oui. Oui. Ah oui, il a perdu. Putain quoi. Tour 4. Il est bien le grue lampionnière. Ah franchement, quand je vois ça, le grue lampionnière, là, je pense que tu vas te régaler. Le grue, il fait que ça. Hein. Ouais, il sait faire que ça. Et Collected Company, tu fais double patron fin de tour. Ah, c'est dégueulasse. Franchement, je cautionne pas, on sort pas cette vidéo. Mec, trop con, c'est. Couple. Pile en plus, quoi. C'est la fin de cette vidéo. Écoutez, voilà, joyeux Noël en fait. Je sais qu'elle vous a plu. Au moment où sort cette vidéo, je pense que Noël est déjà passé, mais que jour de l'an n'est peut-être pas encore passé. Je suis un putain de gosse là sur ce qu'on vient de faire. C'est peut-être bientôt le jour de l'an, je ne sais pas. En tout cas, on vous fait d'énormes bisous. Oh là là, quelle puissance. Passez de bons moments avec vos proches ou loin de vos proches, voilà, mais passez quand même un bon moment avec vos amis, votre famille, etc. Vos animaux de compagnie, voilà, on les embrasse. On les salue jamais, mais le salut, fameux cochon d'Inde Amster qui nous a fait passer le pic des 1000 à l'époque. Exactement, en on s'en rappelle, il s'appelait Kikou. Kikou le cochon d'Inde, qui était donc du coup le cousin du chien de la voisine de Théo. Oui, ouais, ouais. Qui est Théo, on ne sait pas. Bah si, il a commenté avec nous, on sait qui c'est quand même. Ah d'accord. Eh oui, forcément. C'est celui-là, ce Théo-là. C'est ce Théo-là. Ah, bah il y en a qu'un de toute façon. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, commentaire, partage, abonnement si cette vidéo vous a plu. Si ça vous a pas plu, vous pouvez le faire aussi d'ailleurs, mais bon, vous aurez peut-être moins envie. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Discord dans la description, chaîne YouTube, chaîne Twitch pendant dans la description, valpelmagicarena.fr, surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie.